Il y a 75 ans, jour pour jour, précisément à 7 h, un événement avait lieu ici dans une cathédrale comble, la cathédrale Saint-Pierre, l'un des lieux les plus emblématiques de notre canton, de notre pays et de notre histoire. À l'initiative de ce qui n'était pas encore le Conseil œcuménique des Églises, des chrétiens se sont réunis le 20 février 1946 pour la première fois après la guerre, sous ses voûtes, venus de tous les pays, en signe de paix politique, mais aussi de paix confessionnelle. Alors sur la plaque apposée dans la cathédrale qui fait mémoire de ce jour, à côté du logo qui deviendra celui du Conseil œcuménique des Églises, où l'on voit une marque avec un mât en forme de croix, avec pour toute inscription « œcuménè », nous pouvons lire ceci et vous pourrez vous y recueillir tout à l'heure. 20 février 1946, premier culte œcuménique après la Seconde Guerre mondiale. Officiant, le modérateur Charles Sénérier de l'église de Genève. Le très révérend archevêque de Thiatire, Monseigneur Germanos. Le très révérend archevêque de Canterbury, Dr. Fischer. Le révérend Chester Miao du Conseil national chrétien de la Chine, le très révérend évêque d'Oslo, Eivind Berggrave, primat de Norvège, le pasteur Martin Niemöller du Conseil de l'Église évangélique d'Allemagne et le président de la Fédération des Églises protestantes de la Suisse, le pasteur Alfred Köchner. Et en dessous, vous avez deux références bibliques, Luc 15, 7. En vérité, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Et Éphésiens 2, 14 à 15, « C'est lui le Christ qui est notre paix. » Des deux, du juif et du païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Ainsi, à partir des deux, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. 75 ans après, et ces 75 bougies posées sur la table de communion le rappellent, c'est dans la reconnaissance que nous célébrons cet anniversaire qui a lancé un mouvement de paix en Europe dont nous sommes tous les bénéficiaires. Aujourd'hui, avec le secrétaire adjoint du Conseil œcuménique des Églises, Odeil Pedroso Mateus et Mikey Roberts, qui nous font l'honneur de leur présence, avec Pascal Destieux, vicaire épiscopal, avec Jean Lannoy, curé de l'Église catholique chrétienne, Frère Alexis, prieur de la communauté Saint-Jean, le Père Alexandre Sadowski et l'archidiacre Gabriel de la paroisse orthodoxe de Chambézy, Blaise Menu, modérateur de la compagnie des pasteurs et des diacres de Genève, et Sandrine Landon, tous nous vous accueillons pour fêter ce bel anniversaire. Et je salue bien entendu aussi Vincent Ternat qui succède à Pierre Segond et François Delhomme, Pierre Segond qui tenait les grandes orgues de Saint-Pierre en 1946, et aussi, comme Odaïr me le rappelait tout à l'heure, en 1996, pour fêter le 50e anniversaire de, cette première célébration œcuménique. Et Vincent nous a accueillis avec ce morceau de Messian, l'apparition de l'Église éternelle. Merci beaucoup. L'apparition de l'Église éternelle. Voilà, chacun d'entre nous dira quelques mots pour se présenter avant de prendre la parole. Cette parole que je laisse maintenant à Pascal Destieux, notre voisin de l'archevêché, à qui revient cette idée magnifique de fêter cet anniversaire et il nous dit pourquoi. Merci, cher Emmanuel. Bonsoir à toutes et à tous. Grande joie de pouvoir vivre cette célébration œcuménique.
C'est vrai, j'ai remarqué cette stèle pendant les préparatifs de cette fameuse messe. Vous avez forcément entendu parler que nous aurions dû célébrer il y a tout juste un an, aussi le samedi soir de l'entrée en carême, date symbolique choisie pour vivre une repentance, demander pardon pour toutes nos fautes contre l'unité, et toutes les fois on a dénigré les autres. J'avais vu cette stèle, et puis, vous souvenez, cette messe, on l'a reportée à la Pentecôte. Quand on l'a reportée à nouveau, je me suis dit, mais c'est bien, on va la faire l'année prochaine. Aussi, le premier samedi de carême, et ça tombera pile sur les 75 ans de cette première célébration œcuménique. Bon, vous le savez, le coronavirus est toujours là. Un grand rassemblement n'est pas possible, mais heureux sommes-nous de pouvoir, ce soir, marquer cet événement. Dans quelques instants, Mathieu Sonner, Pedrozeau, le secrétaire général adjoint du Conseil ecuménique des Églises, va nous raconter ce qui s'est passé il y a 75 ans, jour pour jour, heure pour heure. Et on se réjouit de voir ce compte-rendu. Et heureusement, les personnes ont pris note de cette première célébration œcuménique historique. Mais avant cela, je vous propose de nous recueillir, de nous mettre tout simplement en présence du Seigneur, de prier ensemble, de rendre grâce pour tout ce qui s'est vécu au cours de toutes ces années. Je vous propose de vous lever. Oui, merci Père, très bon de nous rassembler ce soir, en cet anniversaire de cette première célébration œcuménique après la Deuxième Guerre mondiale. Ce soir, nous voulons te rendre grâce pour tout ce chemin, tous ces pas, ces petits pas, ces grands pas accomplis depuis ces 75 ans. Nous voulons te rendre grâce pour ces pionniers de l'œcuménisme, pour le Conseil œcuménique des Églises qui allait être fondé peu après. C'était des prémices. Aujourd'hui, 75 ans plus tard, nous pouvons dire que pour beaucoup, pas pour tous hélas, l'œcuménisme est une évidence, une invitation pressante. Ce n'est pas une branche à option, mais une branche principale et même première. Merci de nous permettre de nous rassembler et merci pour toutes les célébrations œcuméniques qui ont eu lieu dans cette cathédrale et partout ailleurs, dans la joie de te célébrer, toi notre seul Père, dans une seule foi et un seul baptême. Mais nous savons, Père, qu'il y a encore du chemin à parcourir et beaucoup de chemin. La route est encore longue vers la pleine communion à laquelle nous tendons, à laquelle ton Fils Jésus nous invite, que tout soit un, comme le Père et moi sommes un. Seigneur, que nous puissions avancer fermement et joyeusement sur ce chemin de l'unité, comme le disait l'abbé Couturier, aussi un autre pionnier du la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, cette unité comme toi, Père, tu l'avais, et non pas comme nous l'avons. Gloire à toi, Dieu notre Père, vivant pour les siècles des siècles. Thank you.
nom du secrétaire général du Conseil des Églises, Père Ioan Salka, de l'Église orthodoxe de Roumanie, et au nom aussi de mes collègues du Conseil œcuménique qui s'associent aussi à nous, Anne-Laure, Tak, Simone, Mikey. Je voulais vous remercier pour vous associer à la paroisse et à nous-mêmes pour ces moments d'évocation de ces cultes. Je ne vais pas vous faire l'histoire de ces cultes, mais commencer pour vous poser une petite question. Que célébrons-nous à l'occasion de cette prière du soir à la cathédrale? Célébrons-nous la mémoire du premier culte œcuménique après la deuxième guerre, comme l'a mentionné Emmanuel, qui s'est tenu ici même il y a 75 ans, jour par jour, à l'occasion de la réunion du comité provisoire du Conseil œcuménique des Églises? Oui, nous les célébrons. Célébrons-nous la mémoire des pionniers réformés de l'œcuménisme tels que Marc Bögner, Adolf Köchlin, Max Tournissé ou Wim Wisserhoft, tous présents ici ces jours-là? Oui, pourquoi pas? Célébrons-nous la plaque en marbre. Prenez l'occasion de lui rendre visite. Tout près de nous, inauguré 10 ans après les cultes de 1946 par l'initiative de M. Gustave French. Oui, je viens de lui rendre une fois de plus une petite visite. Oui, nous célébrons ces cultes mémorables, uniques. Ces personnes qui nous ont inspirés toujours et qui nous inspirent, ainsi que ces signes tangibles qui nous protègent de l'oubli dans ces temps où on parle par-ci par-là d'hiver œcuménique. Mais pourquoi les célébrons-nous? Pas toujours une pratique qui un culte célèbre un culte passé. Pourquoi donc les célébrons? J'oserais répondre que nous les célébrons parce que les circonstances traumatiques de post-guerre, dans ces circonstances-là, ce culte a incarné d'une manière unique l'esprit qui habite et inspire la quête d'unité chrétienne. Mais de quoi je vous parle quand je vous parle de l'esprit du mouvement œcuménique, de l'esprit de l'œcuménisme? Au lieu de vous en proposer une définition, une description, je me permets de profiter de ces moments de méditation pour vous proposer un petit exercice interactif. Je vous raconterai 3 brefs témoignages extraits des 3 prédications données lors de ces cultes de 1946. Je vous laisserai le soin d'en dégager l'esprit œcuménique, l'esprit qui les habite, et je vous laisserai le soin de méditer à sa portée contemporaine. Le pasteur Chester Miao, alors secrétaire du Conseil national d'Église de Chine, parla dans ce culte de 1946 sur le premier.
occupée par les Japonais pendant la guerre sino-japonaise. Il a raconté. Il avait été emprisonné. Et il raconta qu'il lui arrivait de découvrir que les militaires japonais qui gardaient sa cellule étaient un chrétien et qu'en les découvrant, l'un et l'autre se mettaient à genoux et qu'ils priaient ensemble. L'évêque luthérien Eivind Bergrav, d'Oslo, Norvège, parla ensuite. Lui aussi, il avait été en prison pendant la guerre à cause de son rôle dans la résistance. Et lui, qui avait été mis en prison par les Allemands, s'exprima ce jour-là en allemand. Et voilà ce qu'il dit. Permettez-moi de vous rapporter un détail de ma captivité. Une femme de paysan voulait à tout prix me glisser une bouteille de lait. Sans doute les sentinelles se reposaient-elles à cause de la chaleur estivale. Alors elle a pu le faire. Le fait est qu'elle a pu passer jusqu'à la fenêtre de la cuisine et qu'elle m'a chuchoté en passant la bouteille. Évêque, mon mari a entendu hier illégalement la TSF. J'imagine qu'il vit à BBC. Et l'archevêque de Canterbury a prié pour vous. Elle s'éclipsa aussitôt, mais son message m'est resté. Il me semblait que Dieu avait percé tous les murs. Et le pasteur Martin Niemöller parla le dernier. Lui qui avait passé plusieurs années en prison et même en confinement solitaire. Lui, d'un pays qui avait été en guerre avec la France à plusieurs reprises, s'exprima en français. Et il a dit, je n'oublierai jamais cette parole de mon vieux père lors de la dernière visite qu'il me fit au bureau de la Gestapo au camp de concentration d'Oranienburg. Mon enfant, les Esquimaux du Canada et les Bataks du Sumatra t'adressent leur message et prient pour toi. C'est dans cet esprit qu'est né le Conseil des Églises. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, il y a 75 ans, des chrétiens et des chrétiennes de plusieurs églises, de nations ayant été en guerre les unes contre les autres, se sont retrouvées ici pour prier ensemble, pour se placer ensemble sous ton regard et pour ouvrir des chemins autres que ceux de la rancœur, de la haine ou de la culpabilité. Ils se sont souvenus ensemble de ton amour qui nous précède et qui ouvre des chemins là où nous ne voyons que des impasses. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour le courage et la foi de ces chrétiens et de ces chrétiennes qui ont voulu se placer ensemble devant toi, leur seul Seigneur,
nombreuses célébrations œcuméniques et même interreligieuses ont eu lieu dans ces murs depuis. De nombreux représentants d'églises sœurs ou d'autres religions d'ici et d'ailleurs ont été accueillis dans ces murs. Ici et ailleurs dans le monde, l'amitié entre chrétiens et chrétiennes a grandi et les cœurs s'ouvrent. Dieu notre Père, nous nous émerveillons devant toi, avec toi, du chemin parcouru depuis 75 ans. Nous te rendons grâce pour ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés et qui ont eu cet élan d'aller vers les autres. Nous te remercions pour nos frères et sœurs qui œuvrent au COE pour inspirer la communauté mondiale des Églises. Nous te remercions pour nos frères et sœurs ici et ailleurs qui œuvrent localement pour que les chrétiens et les chrétiennes témoignent ensemble de ton amour. Dieu notre Père, tu es grand, plus grand encore que notre esprit peut l'imaginer, trop grand pour que nous arrivions à te saisir. Il nous arrive de t'enfermer dans le petit cadre de nos vies, dans les limites de notre Église. Pardonne notre étroitesse et l'orgueil qui nous font penser que juste notre façon de faire et de croire est valable. Apprends-nous à accepter tous ceux et toutes celles que tu as appelés et qui font partie de ton corps. Apprends-nous à les reconnaître comme nos frères et sœurs. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la diversité des expressions chrétiennes dans nos églises, tant il est vrai qu'aucune parole humaine, aucune institution ne peut prétendre te détenir, toi qui es le tout autre, et qui t'es manifesté en Christ, comme celui qui brise les murs que les humains dressent entre eux. L'œcuménisme avait dit, le 20 février 1946, l'évêque d'Oslo, Heinrich Berlera, c'est de prier davantage les unes et les uns pour les autres, de mieux écouter ta parole, pour que les cœurs s'ouvrent et se rapprochent. Alors Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce aujourd'hui pour cette communauté chrétienne vivante, priante, à travers le monde, et plus particulièrement ici à Genève. Donne-nous de prier davantage ensemble, et de mieux écouter ta parole, pour que nos cœurs s'ouvrent et se rapprochent. Dieu notre Père, ta parole est le pain de notre vie, le vin de notre fête. Elle a été écrite, diffusée, expliquée, traduite, commentée par des générations successives. Et c'est elle qui nous rassemble aujourd'hui comme il y a 75 ans, et comme elle a rassemblé des hommes et des femmes depuis 2000 ans. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour cette parole proclamée qui nous appelle et nous interpelle. Viens toi-même en nous, nous faire entendre l'appel de ta parole. Que ton esprit vienne convertir notre regard sur nos frères et sœurs en Christ. Suscite des hommes et des femmes animés de ton esprit, un esprit de vie, de tolérance et de réconciliation. Thank you.
Je suis Jean Lanois, le curé des catholiques chrétiens du canton de Genève. Et à ce titre, j'ai l'honneur de représenter, évidemment, plus largement, les vieux catholiques qui sont co-fondateurs du Conseil œcuménique des Églises de Genève. Les catholiques chrétiens ou les vieux catholiques sont toujours, depuis le début et depuis même très longtemps, bien avant la création du Conseil œcuménique des Églises, engagés, et je parle de l'Église d'Utrecht particulièrement, qui était à l'origine d'une rencontre avec nos frères orthodoxes russes. Et donc c'est pour nous toujours un grand privilège et un honneur de nous présenter à la rencontre des autres frères et sœurs dans la foi. Avant d'introduire la lecture aux Éphésiens, je vais m'engager dans une prière d'illumination. Tu es là parmi nous, Seigneur, au cœur de nos vies et de nos vies d'Église. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous confessons, c'est ce que nous fêtons aussi aujourd'hui, ce que nous célébrons aussi aujourd'hui. Ta présence et ta grâce, ton amitié et ton amour qui nous animent. Que ta parole s'ouvre maintenant à nous. Donne-nous ton esprit, afin que cette parole nous recentre à la puissance de l'amour. Que ta parole nous stimule à te suivre sans calcul dans tous les chemins des manifestations qui te révèlent, et notamment les expressions de l'amour généreux. Que ta parole soit pour nous le signe d'un partage, d'un espoir nouveau, d'une réconciliation active, comme cela le fut pour celles et ceux qui nous ont précédés en ce lieu et en ce jour d'anniversaire. Que ta parole anime en nous le courage de toujours tendre la main, de toujours ouvrir nos cœurs, de toujours voir l'autre comme un frère et une sœur imprégnés de ta grâce autant que moi. Que ta parole nous ouvre au courage de lutter sans cesse pour que rayonne par nous la lumière de ton royaume. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends de tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus Christ, notre Seigneur. Lecture de la lettre de Paul aux Éphésiens. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous,
la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous, de tous les cieux, pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Bonsoir, je suis le Père Alexandre, je représente notre évêque, le métropolite Maxime du diocèse orthodoxe de Suisse, et ma paroisse se situe à Chambézy, comme Emmanuel l'a énoncé au début. Je suis très touché d'être ici parmi vous. Je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, étudiant, je suis arrivé ici à Genève et j'ai visité cette cathédrale et j'ai été justement très très marqué par cette plaque commémorative. Et plusieurs années plus tard, me voici ici pour célébrer avec vous cette 75e anniversaire de cette première célébration œcuménique ici.
Et merci beaucoup pour ce témoignage de ce que vous avez dit au début par rapport à ces différentes personnes qui ont pris la parole, pendant cette première célébration. Et j'ai été encore plus touché parce que cela faisait écho à l'histoire un peu de ma famille. Ma famille est de l'immigration russe qui a dû fuir leur pays et se réfugier dans différents pays. Ils ont dû vivre les camps de réfugiés. Et ma grand-mère me disait toujours, nous avons tout perdu. Mais il y avait une seule chose que nous avons pu garder, c'était notre foi. Et finalement, c'est ce qui anime ces célébrations œcuméniques, c'est cette foi en Dieu. Je vais lire ce passage de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 11. Beaucoup de ces Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais d'autres s'en allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil et dirent : Que faisons-nous ? Cet homme opère beaucoup de signes. Si nous le laissons continuer ainsi, tous croiront en lui. Les Romains interviendront et ils détruiront et notre saint Dieu et notre nation. L'un d'entre eux, Caïphe, il était grand prêtre en cette année-là, dit : Vous n'y comprenez rien. Et vous ne percevez même pas que c'est votre avantage qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Ce n'est pas de lui-même qu'il prononça ces paroles, mais comme il était grand prêtre en cette année-là, il fit cette prophétie qu'il fallait que Jésus meure pour la nation et non seulement pour elle, mais pour réunir dans l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Dans ce même évangile selon Jean, deuxième extrait, au chapitre 15, à partir du verset 11. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qui l'aiment. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et institué
pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. J'ai une pensée ce soir pour mon grand-père pasteur que je n'ai pas connu, qui est mort en 1925, et certainement sans lequel je ne serais pas là. Au sens où, à travers ce que j'ai reçu de lui, même post-mortem, à travers ma grand-mère et ma mère, je suis si reconnaissant qu'à l'époque où les mariages mixtes étaient quand même une exception, et je ne peux pas me passer d'oublier ce jour de juin 1945, où ma mère partant à l'église pour épouser mon père dans un mariage catholique, recevait un télégramme anonyme disant « Ton père se retourne dans sa tombe. Tu fais retourner ton père dans sa tombe. » Et je me dis « Quel chemin parcouru ? Quel chemin parcouru ?» Quand j'ai visité cette cathédrale pour la première fois, j'avais 19 ans, de manière sérieuse. Je commençais mes études d'histoire à la faculté des lettres ici, en 65. Je suis resté devant cette plaque et je croyais que Monseigneur Germanos était un évêque catholique, un archevêque catholique. Et puis, en vérifiant, pas tout de suite, mais un peu après, j'ai vu qu'il n'y a pas de catholique sur cette plaque. Il n'y a pas de catholique, c'est vrai. Ce 20 février 1946, il était interdit à tout catholique de participer à quelconque instance œcuménique. Et ce même 20 février 1946, le pape Pie XII recevait les nouveaux cardinaux qui venaient d'être créés à Rome. Et je voyais dans un certain humour rétrospectif qu'il adressait un discours sur l'universalité de l'Église. Eh bien, nous allons lire ce fameux passage de Jean 17 sur l'unité. Je le prends dans la traduction Osterwald, la Bible des pasteurs de Genève et de Neuchâtel. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, ô Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Chers frères et sœurs, il me paraissait impossible de commencer par ne pas évoquer la figure du pasteur Lisa Croft. Parce que je crois que sans lui, ce culte du 20 février 46 n'aurait pas pu avoir lieu, comme il l'a été. Et c'est émouvant de penser que 10 ans avant, en 1936, Wilhelm Wistorkov était consacré pasteur par Pierre Conry dans cette même cathédrale Saint-Pierre.
Il était arrivé à Genève en 1924, il y passera toute sa vie, se vit ouvrière du conseil œcuménique naissant, dont il deviendra le premier secrétaire en 1948. Sa personnalité, son extraordinaire manière de savoir mettre les gens en contact a fait que pendant cette réunion du conseil provisoire que vous avez évoquée tout à l'heure, au fond, s'est décidé avec les pasteurs de Genève cette cérémonie qui évidemment permettait de mettre enfin en contact des gens qui peut-être parfois ne puissent se parler. Et vous avez évoqué tout à l'heure ces extraordinaires messages qui faisaient que du monde des Esquimaux, de toute la planète, pouvait parvenir des messages dans des mondes qui par ailleurs étaient complètement parcellisés. Eh bien, dans ces mémoires qui évoquent ce moment que nous vivons, Isertoft évoque cette procession que nous avons faite nous tout à l'heure. Et il dit, mais c'est extraordinaire que toutes ces personnes qui auraient pu ne jamais se revoir sans être en Jésus-Christ. Et je voudrais aussi mentionner un passage de l'évêque Belgrade, ce opposant de toute sa vie au régime hitlérien en Norvège. Tout était naturel parmi nous, dit l'évêque Belgrade. Naturel parce que nous avons été plus proches les uns des autres pendant ces 5 dernières années que lorsque nous pouvions communiquer avec le monde extérieur. Nous avons davantage prié ensemble, nous avons davantage écouté ensemble la parole de Dieu et nos cœurs étaient unis. La communion universelle des Églises de Dieu ne nous a pas plus fragiles comme autrefois. Elle a été établie par nous et c'est par elle que l'expérience de la guerre est maintenant vivante et agissante. Les temps sont révolus où la communauté chrétienne dans le monde était une entreprise tâtonnante. Le Christ nous a dit pendant la guerre, « Chrétien, vous êtes un. » C'est sûr que le pasteur Niemöller et Isertoft soulignent à quel point il paraissait complètement amaigri après toutes ces années de prison et ce qu'il avait subi sous le régime nazi. Lui qui, avec Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer, sont les figures les plus marquantes de l'Église confessante allemande, rappelons-nous, qui est celle que, au moment même où Hitler essayait de mettre au pas l'Église protestante allemande, l'Église allemande, en essayant même de supprimer l'Ancien Testament, dans une sorte de massionnisme renouvelé, eh bien, Niemöller, Bonhoeffer était mort, assassiné. Karl Barth, à ma connaissance, n'était pas présent dans cette cathédrale, je ne sais pas. Mais en tout cas, le pasteur Niemöller a voulu apporter un témoignage. Je veux souligner ce qu'il a dit là, qui me paraît tellement impressionnant par rapport au contexte. C'est une montagne de péchés et de crimes qui se dresse devant nos yeux, maintenant que le brouillard d'une propagande trompeuse s'est effacé. Et notre épouvante est si grande qu'aucun de nous n'ose la regarder en face. Nous recommençons à comprendre que la miséricorde de Dieu est là, justement, pour ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Oui, tu peux retourner à lui, même si tu es seul à prendre cette route, car il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et c'est cet appel à la repentance et à la conversion renouvelée en Jésus-Christ qui a lui-même tué la haine pour créer en sa personne un seul homme nouveau que le culte œcuménique du 20 février 1946 a voulu proclamer bien. Rappelons-nous très brièvement ce contexte. Hitler s'est suicidé le 20 avril 1945. Le 6 septembre 1945, la première bombe atomique était lancée sur Hiroshima. Le 20 novembre 1945 s'ouvrait le procès de Nuremberg, qui poursuivit ses audiences jusqu'au 1er octobre 1946. Et un monde effaré, souvent encore incrédule, découvrait l'horreur des camps de concentration.
L'année suivante, 47, à l'Elysée, en Suisse allemande, se réunira une conférence très importante sur les origines de l'antisémitisme, autour, entre autres, de la figure éminente de Jules Isaac. Par contraste, très beau, je trouve, quelques semaines après ce culte du 20 février, se donna ici, le dimanche 7 avril 1946, la première exécution publique intégrale, de la Passion selon saint Matthieu de Bach, quelques 200 ans après sa composition. J'y vois un beau signe de la puissance salvatrice de la croix, se dressant chez Bach avec tout son génie spirituel, sur un monde alors vraiment en ruine, et qui découvre plus que jamais sa soif de rédemption. Quelque chose aussi de l'esprit de Genève est à l'œuvre en 1946. Quelque chose de nouveau. Le comité provisoire des rencontres internationales de Genève, autour d'Ernest Ansermé et de Marcel Raymond, choisissait le thème et les intervenants des premières rencontres qui chercheront en septembre 1946 à discerner les éléments d'espérance qui pouvaient subsister dans cette décombre d'une Europe en ruine. Et comme pour faire écho à ce que Martin Niemöller et l'évêque Berggrav ont dit ici dans cette cathédrale le 20 février, Karl Jaspers et Georges Bernanos chercheront dans leur conférence de septembre de la même année à discerner des axes de reconstruction possibles après la complète faillite morale de la guerre. Je disais ma surprise d'avoir vu comme étudiante qu'il n'y avait pas de catholique parmi les célébrants de ce culte. Eh bien oui, effectivement, quelle absence éloquente et béante. On était encore très loin en 1946 des ouvertures à l'œcuménisme que le Concile Vatican II fera accomplir au catholicisme. Des personnalités comme Yves Congar, Johannes Wilbrandt ou Augustin Béat n'étaient pas encore ceux qui jouèrent plus tard un rôle majeur dans le dialogue œcuménique. C'est la visite du pape Paul VI au Conseil œcuménique des Églises le 10 juin 1969 qui marquera comme d'un saut l'engagement œcuménique catholique romain, ouvert et instauré par les travaux du Concile. Je voudrais aussi, mentionner l'abbé Paul Couturier. Il aurait bien eu sa place si ça avait été possible et autorisé et permis dans ce culte du 20 février 1946, puisqu'il était un infatigable initiateur du côté catholique avec les Anglicans de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, à l'origine du fameux groupe des Dombes, auquel l'humanisme catholique ou protestant doit tendre, et ceci dès 1937, et lui qui fut si proche aussi des premières prêtres de Thésée et des sœurs de Grandchamp. Chers frères et sœurs, que Dieu soit loué pour ce chemin parcouru depuis le 20 février 1946. Que grâce lui soit rendue pour tant de dialogues fructueux, d'écoute réciproque, d'avancées théologiques parfois majeures, pour beaucoup plus de respect mutuel, des chrétiens qui autrefois s'évitaient soigneusement comme s'ils allaient se contaminer les uns les autres. On l'a dit, beaucoup d'acteurs importants de l'œcuménisme ont été les hôtes de cette cathédrale. Et le catholicisme romain ayant gagné en catholicité, les visites successives auprès du Conseil œcuménique des Églises des papes Paul VI, Jean-Paul II et François tout récemment ont voulu signifier que l'engagement œcuménique romain était irréversible. Oui, nous avons beaucoup de chantiers communs, ne serait-ce qu'ici à Genève, quand on pense aussi à la présence de Chambézy, de Gousset, du Conseil œcuménique, de l'AOT qui fait un si beau travail depuis tant d'années, et de toutes les collaborations que nous avons. Paroissial, groupe de réflexion. Nous nous rencontrons, nous dialoguons, nous manifestons notre foi en Jésus-Christ dans les célébrations communes. Oui, et même, nous nous aimons beaucoup. Mais je crois que nous sommes aussi très conscients que nous ne saurions en rester là. S'adressant à l'église d'Éphèse, le fils d'homme de l'Apocalypse lui déclare : Je sais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance. Mais j'ai contre toi que ta ferveur première, tu l'as abandonnée. Comme
les disciples des Actes des Apôtres se sont posé la question « Et maintenant, que devons-nous faire ?» Posons-nous nous-mêmes cette même question. Que devons-nous faire encore et faire mieux, et peut-être faire autrement? Oui, que devons-nous faire pour secouer à la fois l'essoufflement, voire la stagnation du dialogue théologique, sur, par exemple, une question aussi centrale que le partage, enfin possible un jour pour nous tous, d'une même foi eucharistique, telle que travaillée si intelligemment, en 1971 déjà, par les théologiens du groupe des dons. Puisse l'Esprit Saint nous faire franchir, sans attendre dans des siècles, ce possible tant espéré. Par exemple, l'application du concept de consensus différencié qui a permis aussi bien l'élaboration de la déclaration sur la justification par la foi, ou encore l'accord de Balaam avec les orthodoxes contre le prosélytisme, eh bien ce concept ne pourrait-il pas, par exemple, faire avancer la question délicate de la manière dont pourrait s'exercer différemment la primauté romaine, comme Jean-Paul II l'a assez audacieusement proposé à la discussion en l'encyclique Que tous soient pleins. Mais surtout, que pouvons-nous et devons-nous faire pour secouer, je crois, l'indifférence de tant de nos frères et sœurs aux enjeux spirituels de l'humanisme dans un monde qui ignore de plus en plus tragiquement la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce monde qui, comme dit le sociologue Arthur Rosa, tend à se rendre progressivement comme indisponible à lui-même. Au livre du Deutéronome, chapitre 29, à propos de la gravité des engagements de l'Alliance, Moïse dit au peuple d'Israël : S'il arrive qu'après avoir entendu ces paroles d'imprécation, quelqu'un se croit béni et se dise : Je suis comblé parce que je me suis obstiné à suivre mes idées, puisqu'il est vrai que terre arrosée n'a plus soif, la colère du Seigneur fumera. Peut-être sommes-nous en effet trop arrosés par nos propres traditions et cultures spirituelles, au point de ne plus avoir assez soif que l'Esprit Saint nous unisse encore plus fortement pour nous faire sortir de nos juxtapositions. J'aimerais terminer par une prière d'espérance autour de quelques versets du chapitre 21 de l'Évangile de Jean, ceux-là même où le Christ se manifeste aux disciples pour la troisième fois depuis qu'il s'est relevé d'entre les morts. Et vous le savez, c'est le sujet du célèbre retable de la pêche miraculeuse, commandé il y a 502 ans par l'évêque de Genève, à Conrad Witz, qui se trouvait le maître d'hôtel de cette cathédrale. Le Christ apparaît à Genève, à peu près à la hauteur du quai des Maquis. C'est le premier paysage réaliste de la nature occidentale. C'est si beau que le Christ apparaît à Genève. Il apparaît à Toul, il aurait pu apparaître ailleurs, à Toulon. Il apparaît à Genève. Seigneur, tu ne te manifestes pas cette fois hors du lac de Tibériade, mais ici, à Genève, dans ce paysage que nous habitons, que nous aimons. Tu ne marches pas sur l'eau, ni ne poses le pied sur le rivage des Maquis. Mais toi, le ressuscité, tu te tiens légèrement au-dessus de l'aimant. Et tu viens à notre rencontre, alors même que nous ne te reconnaissons pas. Nous avons cherché du poisson dans le petit lac toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Et au matin, tu te tiens sur le rivage. Et tu nous dis, « Hé, les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ?» Mais qui donc me parle ainsi? Qui nous parle ainsi? Qui pouvons-nous discerner dans cette voix? Cette voix que nous croyons trop bien connaître. Voici qu'il nous faut un lanceur d'alerte pour la reconnaître à nouveau comme la voix définitive. Ô toi l'encore inconnu, toi l'encore non reconnu. Non, nous n'avons pas de poisson, nous n'avons rien trouvé. Le disciple que tu aimes nous lance, c'est le Seigneur. Et à travers toi, Pierre, nous nous découvrons alors tous nus de cette nudité qu'il nous faudrait savoir retrouver devant toi, Seigneur, en nous dépouillant de notre lourd savoir et de celles de nos traditions qui peuvent finir par nous ligoter. Nous voulons maintenant nous jeter à nous vers toi, comme pour nous immerger vraiment à neuf dans ce seul baptême qui nous lie tous
plus à toi, ô Christ mort et ressuscité pour nous. Tu nous as préparé le feu de braise de l'esprit, tu y as disposé du poisson et du pain. Et nous pouvons maintenant, grâce à toi, ramener au rivage ce lourd filet qui ne s'est pas déchiré, symbole de l'unité vers laquelle nous tendons, où chacun est soi-même sans uniformité, mais dans une joyeuse cohésion orchestrale. Et c'est dans une simplicité perdue et jamais encore jusqu'ici retrouvée que nous cherchons à répondre à ton invitation « Venez déjeuner ». Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. Est-il alors si étonnant, Seigneur, que nous n'osions pas te poser la question « Qui es-tu ?» Sans doute parce que nous avions peut-être jusqu'à ce jour trop bien cru savoir qui tu es, et qu'il nous faudra désormais apprendre à constamment rebondir à ton appel pour découvrir ton visage dans les nouvelles initiatives avec lesquelles tu nous envoies. Alors tu prends le pain, tu nous le donnes, comme en une ultime scène avant ton ascension. Chers frères et sœurs, en ce temps de pandémie, comme le fait remarquer un commentateur, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que tout le monde a peur de la même chose en même temps. Puissent de nouvelles et audacieuses initiatives œcuméniques et un fervent désir d'unité en Jésus-Christ faire de nous les porteurs d'espérance qu'on se rend apeurés et déboussolés à besoin, si souvent sans le percevoir ni le savoir. C'est en refusant tous les risques de repli identitaire que nous chercherons à être ces femmes et ces hommes vraiment libres, parce que le Christ nous a libérés et que nous nous montrerons ainsi inspirés, responsabilisés et renouvelés pour emboîter le pas aux courageux témoins que nous commémorons ce soir. Thank you.
Je suis Mikey Roberts. Aujourd'hui, nous prions dans cette session simplement en anglais. Mais la réponse sera en français, oui. Notre réponse est au notre Dieu. Écoute-nous et prends de pitié de nous. Notre Dieu, écoute-nous et prends pitié de nous. Nous aurons encore silence avant chaque réponse. Nous respirons. We pray for all who over these 75 years, Lord, have worked and prayed for Christian unity and have held, still holds, an important place in our lives of faith. We pray continually for the gift of faith that we might believe we will be one, and that you will hold the ecumenical movement in your care and make us wholly yours. Notre Dieu, écoute-nous et prends pitié. We pray in these times, as in times past, for the gift of patience that we may hear and respond to each other, and for the gift of courage that as the Church of Jesus Christ, we may be bold in our work and witness. Notre Dieu, écoute-nous, prends pitié de nous. We pray for and remember all who have reflected your forgiveness, compassion and love as they have sought to serve all humanity, especially at those times when doing so resulted in costly discipleship. May their gifts and generosity inspire our own desire to give and to serve with our lives. Notre Dieu, écoute-nous et prends-nous. We pray for all those who today bring the gospel to bear on the great ethical challenges of our times. May we each learn to play our part in mitigating the global and ecological disasters which bring human suffering and threaten your creation, especially as we continue in the COVID-19 pandemic. Notre Dieu, écoute-nous et prends pitié de nous. We pray for all Christian churches, the World Council of Churches, World Church Communions and all ecumenical organizations. We ask for your help, Lord, so that one day we may be able to gather around your one table and share the fellowship of Holy Communion. Notre Dieu, écoute-nous et prends pitié de nous. Finally, we pray for the protection of this city and every city and those who dwell in them. For the peace of the whole world, for the well-being of the holy churches of God, for the servants of God here present, and all those working for the ecumenical movement. Notre Dieu, écoute-nous. Nous nous joignons à la prière du Seigneur dans le nom de notre cœur. Our Father. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Merci beaucoup à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous pour votre présence, pour cette prière que nous avons pris le temps de faire pour fêter ces 75 ans d'un grand événement. Et j'espère que dans 75 ans, on se souviendra, dans 150 ans, on se souviendra encore de ce grand chemin vers l'œcuménisme et que ces bénédictions nous accompagnent. Merci infiniment à vous tous, à vous toutes. Nous allons recevoir votre offrande maintenant. Elle est destinée à une œuvre œcuménique. Vous avez souligné à quel point Genève est un lieu fertile, pépinière de l'œcuménisme. Et nous avons choisi l'aumônerie genevoise auprès des requérants d'asile. C'est Odaïr qui nous a soufflé ça à l'oreille, puisque ce sont les victimes des guerres. Et qu'en 1946, on sortait des guerres. Il y a encore beaucoup, beaucoup de guerres dans le monde, beaucoup de réfugiés qui les fuient. Et c'est à eux que nous pensons en tout. Ces 75 bougies d'anniversaire sont posées, vous le voyez, sur la table de communion qui symbolise ce long et beau chemin d'unité qui a marqué l'après-guerre en Europe jusqu'à aujourd'hui. Vous avez reçu un cierge à l'entrée et nous allons maintenant l'allumer, passer parmi vous pour transmettre cette lumière. En pensant à ce que Jésus a dit dans l'évangile selon saint Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille dans l'humanité. Alors voyons ce que vous faites de bien, vous rentrez en gloire. Votre Père qui est aussi. Pendant que la lumière est partagée, Pascal Destieux me rejoint et je suis heureux de partager avec lui quelques paroles de bénédiction au terme de cette célébration. Pas seulement parce que nous sommes contemporains de quelques jours,
mais parce que lui et moi sommes, en fait, comme beaucoup d'entre nous ici, héritiers de l'écuménisme jevois. Nous sommes enfants de Genève, nous sommes héritiers de cet écuménisme qui a pris racine à l'initiative de grandes et belles personnes et qui est allé jusqu'à la création de ce qui deviendra, au début des années 50, le rassemblement des églises chrétiennes de Genève. Je suis fier aussi et heureux de partager avec lui ces paroles, parce que, arrivant en juin prochain, au terme de ma modérature, je suis heureux qu'il ait été en quelque sorte mon vicaire épiscopal, comme j'aurais pu être en quelque sorte son modérateur. Le Seigneur nous bénit, qu'il emplisse nos pieds d'endurance, nos bras de courage, nos mains de douceur, nos yeux de clarté, nos oreilles d'attention, notre nez de perspicacité, notre bouche du goût de l'unité que rien ne saurait nous faire perdre, notre esprit de résolution, notre cœur de joie. Qu'il illumine nos jours de l'aube au crépuscule et nos nuits lorsque le sens des choses se dérobe. Dans la complexité et la beauté de nos relations, qu'il soit notre clarté, vive, ardente, rassurante. À chacun, à chacune, il dit « Va, toi aussi, tu es lumière pour le monde. » Oui, qu'ainsi nous bénisse le Dieu de miséricorde et d'amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.